Ivan, partagez, mettez le cœur. Ah, Poutchou, c'est mieux le dire que moi. Allez-y. Voilà, bon, déjà, on dit qu'il n'y a pas de son, je ne comprends pas. Il y a le son, bon, on t'entend bien. On m'entend bien? Oui. Ok, d'accord. J'aimerais déjà dire bonsoir ou bonjour à tous ceux qui me suivent. C'est le Poutchou National, la Grèce Stéphane, le miel de Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. L'année 2022, je m'appelle Poutchou Bakayoko. Le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le Vladimir Poutine de Facebook, il n'y a pas aucun. La famille, mettez le cœur, partagez déjà le direct là. Parce que je sens que les brebis égarées vont commencer à signaler le direct tout à l'heure. Or, nous devons rentrer vraiment dans une phase de turbulence. Parce que à là où je vous parle là, tout sera dit sur ce plateau là. Tout, voilà. Vous sera dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Monsieur le procureur, oui. Bonne arrivée. Mm-hmm. Merci. Alors, non, il est léger, mais c'est qu'il y a le lalim. On va aller vite avec monsieur le procureur. La question maudite là. Alors, c'est un vrai coup de poing ici, tout à l'heure. J'espère que tu as pris. Alors, on va encadrer le monsieur le procureur le temps qu'il va nous donner ses chefs d'accusation. Il y a beaucoup de chefs d'accusation. Il y a beaucoup. Ouais, Tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Combien de chefs d'accusation, monsieur le procureur? Il y en avait tellement, mais j'ai dû trier trois parmi ces chefs d'accusation. Alors, on va partir rapidement pour le premier chef d'accusation. Le chef d'accusation numéro 1. Appelez le guide. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et ce qu'on a entendu, on a dit Poutchou, c'est un illettré qui n'apporte rien aux gens et qui est obligé de faire semblant de mal parler français pour avoir des vues afin de pouvoir se nourrir. Les projets qu'il lance là, ça ne marche pas. Il a dit un matin, il s'est levé, il dit va chanter. Chanson là, on regarde carrière là même, là, ça ne va pas. Après, il dit il va vendre Abby. Abby là aussi, il a commencé, on ne sait pas où il a laissé au milieu, il a abandonné. Je pense que, donc, monsieur le procureur, oui. Quand vous dites que sa carrière ne marche pas, quand vous dites aussi que ce qu'il vend comme vêtements, ça ne marche pas, j'espère que vous avez toutes les preuves, hein. Vous avez les chiffres de vente et tout. Non, mais c'est des sondages qu'on a lancés et les gens ont commencé à réagir. Parce qu'on se rend compte que. Parce que dans ce tribunal, carrière, on ne veut pas avec preuves. On ne veut pas les preuves. On dit une carrière, c'est une certaine constance. Donc dans la constance, il a commencé, il est en train d'évoluer au fur et à mesure, mais il essaie des choses. Donc d'aucuns disent que c'est parce que ça ne marche pas qu'il est obligé à chaque fois de changer, de toucher à tout. Donc finalement, sa vraie identité, on a du mal à la retrouver. Monsieur Poutchou National, la parole est à vous. Déjà même on dit, je suis illettré, et en plus de ça, j'ai fait exprès pour parler mauvais le français. Mais quelqu'un qui est déjà illettré, il peut faire exprès pour parler déjà mauvais le français. Ça, c'est un comportement maudit. Ça, ça avait déjà un point d'abord. Maintenant, carrière musicale, là, je viens de me lancer dedans. Ma première chanson, 2 millions de vues. Les artistes même qui sont reconnus, super reconnus même là. Allez là, 1 million de vues même, ils ne font pas. Deuxième chanson qui vient de sortir, ça fait déjà 2 semaines. Je suis à 400 000 vues. Et ça, c'est en audio, même pas le clip encore. Donc, c'est pour dire que cette carrière musicale se vend déjà très bien. Je suis arrivé à Abidjan depuis le 10 mars. J'ai déjà fait au moins 12 spectacles à Abidjan. Dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est-à-dire que 12 spectacles déjà qui ont déjà été calés à Abidjan, que j'ai déjà fait. Il y a des artistes même qui sont à Abidjan ici, là, ils ne gagnent pas ça. Donc, c'est pour dire que cette carrière musicale se vend déjà très bien, par la grâce de Dieu, et surtout par la grâce de ceux qui m'aiment, par mes fans, et par les promoteurs des spectacles, les gérants des bars, les spectacles, tout ça. Mais pourquoi Poutchou change au fur et à mesure? Pourquoi? Monsieur le procureur. On fait Abidjan, pourquoi on fait ça? Oui, mais on va revenir pour ce premier chef d'accusation, là, le temps de marquer une courte pause. Voilà, les impératifs de la radio, et puis on revient pour la suite du procès. Mais en rappelant à nos auditeurs qu'ils pourront toujours appeler au 27 225 08 200 pour soit accuser ou défendre Poutchou, et puis le procès, il est sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Abidjan Thai Fight 4, le choc africain du Muay Thai présente. Accusé, levez-vous. C'est son péché mignon. Quoi, laissez sa père, c'était pour embellir les choses. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon. Ah bon? Oui. Ah bon, alors on comprend tout maintenant. Je comprends les gens, les 500 000 alors. J'étais. Tu vois, non? Alors, tu vois, Sony, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo Beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Lundi matin, on m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la matina. Je comprenais pas. Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires? Non. De son vivant, là, on la voyait pas. Moi, il a fait 10-11 ans avec Arafat. Menati, il l'a vu deux fois, peut-être trois fois à tout casser. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdisait que sa famille même se mêle de ses affaires. Tu comprends? C'est nous, on gérait ses affaires. Parce que c'était un business amical. Oui. Vous doutez encore de lui? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme.
Au fait, le truc, c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi, en fait. C'est-à-dire que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi, c'est le juge qui vous pose la question? Okay. Qui êtes-vous? Je suis Jonathan Morrison. Ça veut rien dire en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc s'il y en a d'autres qui sont nés après, elles mangent dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Mmh. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. Après, je dis je produis en haut, puis je produis en bas. Parce que quand je suis allé sur l'internet, j'étais pour chercher garçon voilà. Et un artiste pour produit. Voilà. Je suis tombé sur le bon et je me suis accouru. Vous avez pris toutes les deux en un, quoi. C'est ça? Voilà. Arafat, même de son vivant, oui. Il a expliqué que effectivement les Ivoiriens sont en train de tant au détriment de l'étranger. Tu comprends? Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter. C'est pas une histoire de béret ou bien vous vous levez, vous à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, oui, il sera très mal. Pour le procès qui accuse ce jour Apoutchou National, Apoutchou Bakayoko. Comment on doit vous appeler finalement? Non, actuellement c'est Apoutchou Bakayoko. Petit frère Jirem de Yerim Bakayoko, le dernier de la famille de Bakayoko. Ok, c'est bien noté. Alors, avant de partir à la pause, on était en train de parler avec le monsieur le procureur pour le premier chef d'accusation. Oui, bien sûr. Qui disait comme ça qu'Apoutchou est illettré et puis il touche à tout, mais sans vraiment que ça aboutisse. Quand tu parles à Apoutchou, c'est qu'il sait s'exprimer. Oui. Mais il fait souvent des erreurs parce qu'il a fait ça a pris. Donc il fait des erreurs de français. Non, faut pas confondre que ça a pris. Si, ça a pris. Non. C'est une identité, on reconnaît Apoutchou. C'est naturel. Non, je l'ai dit, mais c'est ma place. Je ne suis pas allé loin à l'école. Moi, je me suis arrêté. Alors, le niveau d'Apoutchou. Mon niveau d'école, c'est CM1. Voilà. Apoutchou, quand tu fais des erreurs comme ça, sciemment. C'est pas sciemment. C'est dans mon cœur, vous savez, c'est sciemment. Apoutchou, comment je voulais demander, s'il vous plaît, je vais demander à la français, mais est-ce qu'il y a du sous-parler pour Apoutchou? Justement, Anifa étant dans les studios, Anifa, notre accusé, voilà, notre accusé, on a besoin de Sopalin. Anifa, notre chargé de communication de Trace Côte d'Ivoire, a dû ramener du Sopalin 2, hein, 2. Non, on a quand même voyé ce qui s'est passé, c'est que les actes. Parce que les choses qu'ils vont dire tout à l'heure, là, il y a transpiré même sur nous. Alors, je vous laisse en compagnie de monsieur le procureur. Oui, on, bien on sûr. On poursuit pour le procès. Donc, j'étais en train de dire, Apoutchou s'exprime bien. Oui. Pour ceux qui ont eu à l'approcher, ils savent ça. Mm-hmm. Bon, on dit, il force pour faire rire. Parce qu'en fait, comme il a fait une fois, deux fois, il a cassé français, on dit, ah, le gars là, vraiment, ce qu'il fait là, c'est intéressant. Donc, il en a fait sa signature, sa marque déposée. À chaque fois, il envoie un petit cassage. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il n'y fait pas exprès, monsieur le procureur. Non, je dis qu'Apoutchou fait exprès. Apoutchou, il fait exprès. Il fait exprès. Il sait s'exprimer en français. Mais comme ça a pris. Mais dit que là, le niveau CM1, il ne fait pas exprès. Mais pourquoi non, vous voulez forcément. Non, mais que... le niveau n'est pas une explication. Oui, je sais, c'est pas une explication. Mais je veux dire, mais il dit qu'il ne fait pas exprès. Mais pourquoi vous tenez coup de pied? J'insiste pour dire parce que voici Apoutchou en train de causer. Même avant, on causait tout à l'heure. Il s'exprime très bien. Apoutchou ne peut pas mettre le à la place de là. Il ne peut pas se tromper sur les articles quand même. Mon vieux. Il revient même à la part de là, même c'est rien même. Moi, il met Y à la part de Z. Pas de quoi. C'est mon naturel, c'est mon tout qui est là. Il n'y a pas à faire de faire semblant. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas donné un genre. Tel que je suis là, c'est comme ça que je me suis présenté. Les gens m'ont aimé comme ça. Et mon mauvais français ou pas. Apoutchou, les habits, nous en sommes ouf. Les habits sont là. Je suis celui, tu portes plus les habits? Je suis celui qui crée, ce qui est porté là, c'est quoi? Non, on parle des costumes, tu as commencé à vendre les moments. Costumes sont là, mon vieux. Ah, budget, il fait chaud, il n'est pas venu. Ah, si vous, voir... Mon vieux, là, c'est hors antenne, là, c'est le procureur. Bon, d'accord, ok, d'accord, le procureur. Merci. Il a le comportement, même, il ne sait pas. Toi, il sait qu'il va faire direct toi après l'émission, là. Tu vas comprendre, tu vas lire le. Ok. Sinon, les habits sont là, les habits sont là, les costumes sont là. Alors, monsieur le procureur, hein, on peut partir pour on continue. Deuxième. Chef d'accusation numéro 2. Mmh. Et ça, il sait que c'est un peu dur quand même. Quand j'ai vu ces chefs d'accusation, ça m'a choqué, mais comme c'est l'émission, on est obligé de partager. Les gens disent qu'Apoutchou, c'est vrai, il n'a pas connu son père, c'est triste. Mais au lieu de chercher à rencontrer le monsieur et à le connaître, il a plutôt. Il n'a pas valorisé, on va dire, celui avec qui sa maman vit, qui devait jouer le rôle de son papa. Et là, il s'en va prendre un titre de Bakayoko pour mettre sur lui. Tout est lié à une affaire d'argent. Parce qu'en fait, normalement, quand tu sais que tu t'appelles Agbré et on sait d'où vient le nom que tu as eu à prendre, il y a des personnes que tu dois valoriser, comme le monsieur de maman ou bien d'autres personnes qui sont tout de soi. Mais dès que Yerim Bakayoko, c'est une affaire d'argent, il a commencé à dire partout que oui, voici. Monsieur le procureur, oui. Est-ce que... Voilà, c'est pas un peu. Les questions là-bas sont même pas. Voilà, de dire que c'est une affaire d'argent. Peut-être qu'il l'aime, il rime, non, tout simplement. Non, mais écoutez, le direct d'Apoutchou, Apoutchou n'a jamais dit qu'il l'aime simplement. Apoutchou dit c'est une affaire de jazz, c'est une affaire d'argent. Jamais de la vie. Mais désormais, mais comme de la vie. Jamais de la vie. Quand on dit le gars, il a jeton, vous dites quoi? Mais Yeri, monsieur le procureur, vous-même là, vous êtes moi-même. J'aime pas ça.
Normalement, là, vous devez être chaud. D'accord. Mais question là-même, c'est pas pertinent. D'accord. Mmh. Vous voyez. Déjà là, mmh. quand il dit que je devais valoriser mon géniteur, ou bien je devais valoriser mon beau-père, vous savez, quand on aime une personne, on la protège. Dans le sens que quoi? Moi, j'aime ma maman, j'aime mon papa. Mmh. Mais sauf que maman, c'est une personne qui est très connue. Elle était star avant que moi, je n'y naisse. Mon père là, lui, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Il ne connaît pas Facebook. Il n'a jamais fait direct. Ce n'est pas son monde. Si je ne parle pas trop de lui là, c'est parce que je vais le mettre à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, ils cherchent à te piquer là où ça fait mal. Et ce monsieur-là m'a tout donné. Et je ne vais pas accepter que quelqu'un puisse lui manquer du respect. Maman, elle a déjà un compte Facebook. Elle peut se défendre. Après, Vanessa, c'est une grande actrice comédienne. Elle a connu des hauts et des bas dans le cinéma. Les gens ont tout dit, tout fait. Elle a su quand même se maintenir. Mais lui, ce n'est pas son monde. Donc, je le mets à l'écart pour protéger son image, protéger sa carrière, parce que c'est le directeur du cinéma Majestic Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur. C'est pas un monsieur, voilà, qui a un petit poste ou même machin. Même s'il avait un petit poste, même, c'est pas ça le problème. Mais lui, c'est pas son monde. Donc, si je ne parle pas de lui, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler de lui, mais je le protège. Mais en interne, là, je lui montre tout mon amour et il le sait. Et il sait que je ne pourrais pas souhaiter avoir un meilleur père que lui. Mais pourquoi tu ne prends pas le nom du monsieur pour mettre en avant et puis il va se couper? Je mets toujours. Non, au Bakayoko, ça, il faut confondre. Moi, j'ai dit, chacun cherche sa famille. Bakayoko, ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'argent. Moi, je me suffis, mon vieux. Voilà, je suis venu à Abidjan ici, là. Je me suffis. Tout ce que j'ai fait, là, ça quitte dans mes fonds, ça quitte dans mes poches. Mais c'est une manière pour moi de rendre un grand hommage à un grand monsieur. Ahmed Bakayoko, là, c'est quelqu'un, quelles que soient nos divergences d'opinion politique, c'est quelqu'un qui a su s'installer dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, qui n'est plus dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À travers ce que je dis sur les réseaux sociaux, en m'appelant Poutou Bakayoko, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage et de faire de telle sorte que son nom soit toujours attendu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers mes directs. Parce que mes directs sont suivis par des milliers de personnes. Donc, quand je dis Poutou Bakayoko, mm-hmm. ça se rappelle directement d'Ahmed Bakayoko. Et c'est une manière pour moi de lui rendre hommage et de valoriser son digne fils, qui est Yérim Bakayoko, et toute sa famille. C'est plus le fils, hein. Et puis, dans le direct que tu as fait, qu'on a suivi, mm-hmm. il n'était pas question de monsieur Ahmed Bakayoko, c'était question de Yérim Bakayoko. Mais. Attends. Oui, vas-y. Et Apoutchou disait, moi j'ai suivi le direct, il disait oui, je suis son petit frère direct. Oui. On parle de Bakayoko, on parle des gens voilà, qui ont fait le pays, des gens qui ont les moyens, les gens. Donc beaucoup de personnes ont dit, ça là c'est Gam DJ. Ça n'a rien à voir d'une affaire de valoriser. Si tu devais valoriser le vieux, j'allais plutôt commencer par dire que je suis soit le petit frère d'Ahmed Bakayoko, mais venu se coller à Yérim jusqu'à ce que tu arrives à bien te reçoivent tout ça. Mon vieux, chacun a sa stratégie de communication. Stratégie de communication ne peut pas être forcément la même stratégie de communication que toi. D'accord. Quand je dis Yérim Bakayoko est mon petit frère, si tout de suite la moyenne est milliard, toi-même les petits prends comme gardien. Ça, il n'y a pas un moment dedans. Voilà. Après, donc, c'est vous dit, mais tu vas accepter, tu as le choix. Si le procureur à gardien. Tu as le choix. Le procureur à gardien. Devant l'argent qui peut parler. D'accord. Si Yérim Bakayoko a les moyens de sa politique, c'est normal que ceux qui travaillent pour lui même vont l'appeler tonton, mes grands frères ou même quoi que ce soit. Mais là n'est pas la question. La question n'est pas côté financier. Mm-hmm. Je cherche pas l'argent à travers lui. Ce n'est pas ça mon problème. La question, c'est l'hommage que je rends à un grand monsieur. Parce que j'aurais voulu qu'il soit vivant, qu'il puisse me recevoir pour dire petit, je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de suivre ses traces. Parce que c'est un idole, c'est un modèle, c'est un exemple. Parce que ça, moi, je vais le dire au fait. Tu suis ses traces comment, Apoutchou? Je suis ses traces parce que j'essaie de faire comme lui au fait. Sa générosité, son cœur. C'est quelqu'un qui a eu. Ou tu allais te promener pour donner l'argent aux gens pour filmer là, c'est ça que tu es en train de faire comme lui? Non, c'est pas question de. Si, de promener pour faire si tu t'es promené, tu as donné l'argent aux gens. Je suis son exemple, c'est pas parce que j'ai donné 5 francs à quelqu'un. Son exemple là, ça dépend de comment est-ce que tu. Lui qui a donné l'argent aux gens là, il n'affichait pas. Toi, tu sont des gens, tu donnes l'argent, tu filmes et puis tu fais photo des gens aujourd'hui sur Internet. Moi, il y a beaucoup de choses que moi je fais sur Internet ici, que moi je fais dans ma vie ici là, que personne ne le sait. Mais la partie là, comment tu vas aller te promener? Calme-toi. Et puis tu donnes l'argent aux gens et puis tu filmes. Tu exploites la misère des gens, c'est pas sérieux. Je n'exploite pas la misère des gens. Bon, pourquoi tu donnes l'argent? J'amène des gens à pouvoir aider certaines personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, nous avons l'obligation de rendre tout ce qu'on fait public parce que l'être humain retient ce qu'il voit. Il ne retient pas ce qu'il ne voit pas. Voilà. Donc aujourd'hui là, si moi. Voilà. Aujourd'hui, si moi, par exemple, je fais des dons, que ça soit tout est en cachette. Les gens m'ont dit qu'Apoutchou National, il ne fait rien pour les gens. Mais si tu as besoin de justifier auprès des gens. Je ne justifie pas. Mais c'est pour dire, je fais plus que ce que je démontre. D'accord. Ce que je démontre là, c'est les petits faits que je démontre. Mais ce que je fais en interne là, c'est pour. Le grand frère Loge, même, il est là, il est au courant. Combien de personnes que moi j'ai envoyé de l'argent à travers sa chopage, je ne vais pas compter.
pendant que j'étais en France, je n'ai pas attendu forcément d'être habitant pour le faire. Donc c'est pour dire que je confirme. Je fais des choses dans le secret. Mm-hmm. Pas forcément pour mettre ça visuel, mais le peu que je montre, c'est pour amener aussi des gens aussi à peut-être faire comme moi ou bien à peut-être vouloir aider aussi ces personnes aussi. Parce que par exemple, quand moi je croise une personne dans la rue, que moi je lui donne peut-être 100 000 francs par rapport à son problème, que je mets par exemple le numéro de téléphone, c'est pour envoyer des personnes aussi de bonne moralité aussi à pouvoir faire aussi le même geste. Les personnes vont les contacter. Et c'est ça au fait. Sinon, c'est pas pour juger, non. Hein. Et pas bien de ça. Le nom qui est un nom de Dieu. Et pas le nom des humains. Parce que les humains même sont ingrats. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone hein, pour ceux qui veulent appeler, soit pour accuser ou défendre Apoutchou. C'est le 27 225 08 200. 27 225 08 200. Et puis, vous avez la possibilité de suivre ce procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Partagez, partagez. On va prendre un appel. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle Dabogo. Votre nom? C'est Jean-Marie. Maître Jean-Marie, vous appelez pour accuser ou défendre Apoutchou? J'appelle pour défendre Apoutchou. On vous écoute. D'abord, je salue l'artiste, l'homme en question. Bonjour, bonjour, ça comment? Apoutchou, maître... bonjour, bonjour. Voilà, j'appelle pour défendre. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que Apoutchou était illettré. Il ne savait pas parler français, il n'avait pas un bon niveau. Et puis après, j'ai cru entendre aussi que lorsque, bon, il suivait un peu l'exemple de Ahmed Bakayoko, et il y a le maître en question, je ne sais pas, le premier chef d'accusation, qui a dit que Ahmed Bakayoko ne s'affichait pas lorsqu'il faisait ses dons. Par contre, Apoutchou, il s'affiche et il expose la misère des gens. C'est bien cela. Oui, c'est bien. Donc, je suis un peu. Donc, moi, je veux. Je suis pas d'accord avec ce que le maître d'accusation a dit, parce que Ahmed Bakayoko, il exposait carrément même tout ce qu'il donnait, tous ceux qui l'aidaient en public. Hier même, j'ai regardé une scène vidéo à Yopougon où il était en plein discours et sur le plateau même, sur le podium, il a appelé deux personnes qu'il ne connaissait pas devant tout le monde, devant les caméras, devant tout le monde. Et il leur a offert 5 millions. Voilà, 5 millions, les deux. Il y avait une fille. Et un garçon, une fille et un garçon, ouais, c'est ça. Et c'est même pas ça seulement. Plusieurs fois, quand Ahmed Bakayoko, il partait en campagne, etc. Ah, mais voilà, il partait en campagne, c'est ça. Bon, c'est un homme politique qui fait ça. C'est un homme politique, donc on va dire qu'il partait en campagne. Bon, oui. Je veux pas dire même campagne. Parce que si c'est campagne, je vais dire que c'est peut-être qu'il avait posé sa candidature, qu'il partait en campagne. Donc c'est même pas en campagne, mais lorsqu'il partait pour. Alors, mobiliser certaines populations à propos de la politique. Moi, oui. Ouais, il faisait des dons, tout le monde voyait, tout le monde savait ça. Vous voyez aucun inconvénient à ce que Apoutchou puisse filmer et tout. Il puisse filmer, il puisse montrer à tout le monde qu'il donne. D'accord, vous avez bien compris, merci maître. On va prendre un autre appel et puis rappeler que c'est le 27 225 08 200 pour appeler, soit pour accuser Apoutchou. Allô? Allô, bonjour. Bonjour maître, vous nous appelez de quel cours? De Francfort, en Allemagne. D'Allemagne? Oui, oui. Oui, de Francfort. Ah, c'est Francfort. Alors, votre nom? Oui, oui. Judicale Kwaku. Maître Judicale, vous appelez pour accuser ou défendre Apoutchou National, Bakayoko? Défendre. Allez-y. Apoutchou, vraiment, je voudrais te dire que tu es quelqu'un de vraiment génial. Merci. Depuis Francfort, nous te suivons, nous aimons ce que tu fais. Continue d'être ce que tu es, continue de faire ce que tu fais. Sache que tu es suivi de partout. Et les engagements que tu as pris, continue de les appliquer. Nous t'aimons fortement. Merci. Allez, Apoutchou, on est ensemble. En ensemble, ça je vois. Aïe. Merci, maître. On va faire ça défend la gueule là. ça, c'est un fan. Allô, conditionnel. Non, mais ça, c'est... Allô. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Cocody. De Cocody, votre nom? C'est Frédéric. Maître Frédéric, vous appelez pour accuser ou défendre Apoutchou? Ouais, défendre Apoutchou et l'accuser aussi. Bon, ah bon, on va l'accuser déjà. Ouais, il faut l'accuser. Accusez-le déjà, et puis après on va le défendre. Allez-y. Il n'y a pas quelqu'un. Bon, je trouve... En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire bien. Ah. Mais je trouve que... Sur les réseaux, ils se disent influenceurs, mais ils sont trop dans les papatoyas. Vous trouvez qu'il est trop papato pour être influenceur? Voilà, c'est-à-dire ils sont toujours dans cette histoire de s'expliquer par rapport à quelque chose et tout. Attends, moi je trouve qu'il y a plus important. La notoriété qu'il a là. Il rebondit un peu sur l'actualité, tout ce qui se passe, donc son avis. Ok. En fait, ils sont trop dans le people, en fait.
Oui, mais c'est pas je trouve qu'il y a plus d'importance à traiter ça. Avec sa notoriété qu'il a, qu'il doit passer à un autre niveau de sa carrière. En quoi faisant, allez-y rapidement, en quoi faisant, voilà, je m'explique. Je trouve qu'il doit passer à un autre niveau, c'est-à-dire, parce que je trouve que ce qu'il suffit de faire, il prend ça très au sérieux. Donc, il n'a qu'à essayer de peut-être défendre d'autres choses. Défendre d'autres choses que les people, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Il n'a qu'à aller à un autre niveau. Il y a des problèmes qui minent vraiment la société ivoirienne, qui n'est pas du même africaine. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Et ils peuvent peut-être s'intéresser à ça, essayer de développer, pour que nous, les petits frères, on puisse vraiment avoir autre esprit que à chaque fois se concentrer qui a fait quoi, qui a fait quoi, lui, j'ai tel papo. Sinon, ce qu'il fait, c'est bien, je le suis depuis peut-être 2 ans, mais je trouve qu'il n'a qu'à aller à un autre niveau. D'accord. Voilà, merci, on a bien compris. Merci, merci, voilà. Merci. Alors, on va prendre un dernier appel avant de revenir au chef d'accusation. C'est le 27 225 08 200. Éteignez la radio chez vous. Éteignez. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, maître. Vous appelez Pour Dadiamé. Votre nom? Ali. Comment? Ali Bamba. Maître Ali Bamba, vous appelez pour accuser ou défendre Apoutou? Non, c'est pour défendre Apoutou. Ah, il n'y a que des non, personnes qui défendent Apoutou ce matin. On vous écoute. C'est vous juste le remercier ou quoi? Pour tout ce qu'il fait. Pourquoi merci encore? Pourquoi? Ah, pour tout ce direct. Tout. Juste le remercier. Regarde. Ça nous donne de la joie. Mais ça, c'est des gens qui Apoutou a payé pour appeler. Je crois pas, monsieur. Abdou, bonjour, bonjour. Donc, je dire merci. A dit Vladimir Poutine, a dit go on a bégué. Ok, bonne journée. Vas-y, va. Vas-y, ou quoi? Il n'y a pas qui c'est, c'est bon, hein? Merci. Monsieur le procureur. Oui, mais je suis. Parce qu'on a beaucoup d'appels. Je suis surpris et je suis surpris que tous les appels sont juste faits pour défendre Apoutou. Ah ben. Pourtant, on a des chefs d'accusation. On n'y peut rien, il est aimé. Mais pas par tout le monde, ça c'est. Il sait. Pas par vous, même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Pas par vous, monsieur le procureur. Là, je suis dans mon rôle de procureur. Sinon, on connaît, faut laisser. Bon, vas-y. Je suis dans mon rôle de procureur. Voici le troisième chef d'accusation. On me dit de dire à Apoutou que, comme il ne mousse plus, il s'est entendu avec Maurice Lemola pour payer des gens pour aller l'accueillir à l'aéroport. Parce qu'il n'y avait aucune utilité, aucune urgence, aucun besoin d'aller se faire accueillir. Et que c'est parce qu'il a voulu régler des clashs à distance avec certaines personnes qu'ils ont dû organiser ça pour qu'on le reçoive comme une rockstar. Et pourtant, il n'en est pas une, quoi. Donc, c'est le troisième chef d'accusation. Les gens étaient choqués de dire, mais comment il peut organiser son propre accueil lui-même en trouvant les moyens qu'il faut avec Mola, tout ça là, pour qu'il vienne à Abidjan. Donc, voici le troisième chef d'accusation. Je les gars répondent à ça là. Allez-y. Ok, pas moi. D'accord. Bon, déjà là, pour dire que le Apoutou est tombé ou bien quoi que ce soit, l'organise, non. C'est l'enfant prodige de la Côte d'Ivoire qui arrive au pays. C'est normal que les gens puissent venir m'accueillir. Voilà. Il y a ce que les gens disent. Ils sont assis là-bas. Non, pourquoi est-ce qu'on s'en va accueillir Apoutou? Machin. Mais ça là, moi, je n'ai pas répondu à ça. Moi, j'ai un public. J'ai aujourd'hui, quand tu comptabilises toutes mes pages, j'ai aujourd'hui plus de 2 400 000 personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux. C'est normal que quand je rentre dans mon pays, là, ceux qui disent qu'ils aiment, ils aiment le Apoutou national doivent venir m'accueillir. Et pour faciliter le déplacement de mon public et pour la sécurité de mon public, j'ai décidé de mettre des transports, c'est-à-dire des cars, à leur disposition dans les différents quartiers pour les faire venir. Ce que j'ai fait là, l'homme qui a fait ça avant moi, il s'appelle Didier Arafat. Le deuxième, c'est Apoutou Bakayoko. Plus de 2000 et quelques personnes sont venues à l'aéroport. Ce ne sont pas des vagabonds. Hein. C'est une jeunesse debout qui est venue accueillir une personne qu'ils aiment. Parce qu'ils voient ma vision future. C'est de ça qu'il s'agit. On pourrait savoir votre vision. Laquelle? Ma vision, c'est d'envoyer la jeunesse de Côte d'Ivoire africaine à pouvoir se prendre en charge. À pouvoir se dire qu'ils peuvent y arriver. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunesses sont un peu perdues. Ils n'ont pas de repères. Ils ne savent pas qui ils vont imiter ou même qui ils vont choisir comme idole, même qui ils vont prendre comme exemple. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute? De quoi? A fait des directs à longueur de journée, à rebondir sur tout. Moi vieux, les gens ne savent plus. Voilà, ouais. A fait des clashs. Mon vieux, dans la vie en quitte d'un point zéro. Juge. Non, bon d'accord. Monsieur le juge, dans la vie en quitte d'un point zéro à un point un, pour arriver à deux, à trois, à quatre, c'est pas le commencement qui compte, mais c'est plutôt l'arrivée. Voilà. Chacun de nous commet des erreurs et c'est ça qui fait partie de l'être humain.
Mais c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs, puis se forger, puis dire, je vais plus recommencer les mêmes erreurs, faire les mêmes erreurs, pour pouvoir donner de l'exemple à ceux qui me suivent. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je suis là pour Mais attends, la vision, c'est de pousser la jeunesse à se prendre en charge, on est d'accord? Bien sûr. Mais quel est le lien entre vouloir que les gens se prennent en charge et puis aller louer des cars pour rassembler des gens pour venir se faire accueillir à l'aéroport? C'est ça que je te dis. Ceux qui sont venus m'accueillir à l'aéroport sont des fans. Sont ceux qui m'aiment. Ceux qui sont Monsieur le procureur, il faut rappeler aussi qu'Apoutou est artiste-chanteur aussi. Hein. Deux encore là. Mais les gens ne sont pas l'accueillir parce qu'il est artiste-chanteur. Non, non, non. Voilà. Il y a des gens qui sont rappelés qu'il est artiste-chanteur. Voilà. Aussi. Moi, j'ai dépassé le stade même de l'influence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il y a ceux qui ne me connaissaient pas étant influenceurs, mais qui me connaissent étant un artiste. Donc, c'est pour dire qu'il y a d'autres personnes qui sont venues m'accueillir parce qu'ils aiment ma chanson. Ça fait déjà un point. Il y a deuxième personne qui sont venues m'accueillir parce qu'ils aiment l'influenceur Apoutou National. Ça fait aussi deux points. Voilà. Alors, parlons des visions, hein, monsieur Apoutou. Mm-hmm. On doit s'attendre à quoi? Le nouveau Apoutou. Le nouveau Apoutou sera quoi? C'est ça qui, sur les réseaux sociaux? Moins de directs, de plus rebondis. Avant même qu'on ne parle de sa vision. Oui. Oui, monsieur le procureur. Il m'a aussi dit que de demander à Apoutou qu'il y a beaucoup de marques qui se sont désolidarisées de lui parce qu'elles ont considéré qu'elles n'ont pas pu atteindre leurs objectifs au niveau de l'image qu'il dégageait, au niveau des ventes, tout ça. Ce qui fait que, voilà, il fait de moins en moins de directs. Et les directs qui sont faits, c'est parce que c'est monétisé, qu'il cherche de l'argent à avoir. Sinon, dans le fond, c'est pas qu'il aime sa fanbase, mais il est en train de chercher son argent. Donc, pourquoi est-ce que les marques, là, ont abandonné Apoutou en chemin? S'il est aussi crédible qu'il le dit. D'abord, ça fait déjà deux bonnes questions qui sont très bonnes, maudia. De toute façon, ça dépend. Deux bonnes questions, bonnes. Bonnes. Voilà. La première question, d'abord, là, c'est que quand j'ai commencé à faire les vidéos, je ne savais pas que Facebook payait. Quand j'ai su que Facebook paye, là, tous ceux qui sont sur Internet, la majorité, 90%, c'est moi qui ai monétisé les pages. C'est moi qui les ai montrés comment moi, il a un Facebook. Ça fait déjà un point. Le deuxième point, tu as souligné quoi d'abord là? Oui, il y avait déjà les marques. Les marques abandonnées. Les marques qui sont venues vers moi, il n'y a pas une marque. S'il y a une marque qui est venue, c'est quelqu'un qui a collé son image à moi, qui dit Apoutou National n'a pas fait son travail comme il se doit, c'est faux. Au fur et à mesure que je deviens encore plus populaire, j'augmente les prix. Et c'est certains prix peut-être qui font qu'ils n'arrivent pas à payer parce qu'ils se disent que ça devient trop cher. Raison pour laquelle. Mais s'ils payent, qui ne vendent pas? Parce que le ils but c'est. Ils vendent pas... même. Il n'y a pas l'homme qui va dire vend pas. Moi, on court derrière moi matin, midi, soir. Mais si on vend, pourquoi on arrête? Mais on arrête parce que les prix aussi augmentent. Dans la vie, là, quand tu travailles, c'est pour évoluer, tu n'as pas pour aller en arrière. Alors, moi, j'ai une c'est question. Que j'ai accepté à 1000 euros il y a de cela 6 mois. Je ne vais pas l'accepter aujourd'hui à 1000 euros. Je le tape c'est à combien 3 000 prenez, à 6 000 c'est euros. Combien vous prenez pour une marque? Qui ça? Il dit 3 000, ben 6 000 euros. 3 000 moi, à 6 000 euros. Moi, je dépasse plus que ça même déjà même. Moi, j'ai signé des partenariats avec des coudistes qui sont allés vraiment à des prix exorbitants que je vais pas dire ici. Mais tous ceux qui viennent couler une fourchette, c'est entre combien? Il n'y a pas fourchette, c'est cuillère te donner. Mais c'est eux, ils ont vendu. Mais ils ont vendu. Ils ont vendu. Parce que quand Kodis est arrivé déjà en France, Apoutou, la figure emblématique qu'ils ont pris. Monsieur Apoutou, vous faites outrage à un magistrat. Hein. Comment ça? Je dis, donnez une fourchette, me dites c'est cuillère. Mais rien, fourchette, l'eau, là, ça ne peut pas bien. On peut vous enfermer ici dans le studio de traces. Hein. On peut vous enfermer ici. Tu dis une fourchette, tu as une fourchette. Cuillère au moins, là, tu as bien boire. Fourchette, là, tu peux mettre l'eau dedans. Tu peux boire sous une fourchette. Maudia. Donc voilà un peu. Entre 3 000 et 6 000 euros. Mm-hmm. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une marque qui n'a jamais été content de travailler avec le Apoutou National. Au contraire, eux-mêmes, ils courent derrière moi pour dire on veut faire encore des publicités. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai toute une équipe auprès de moi. Mm. Ce n'est pas le même Apoutou National qui prenait lui seul son argent et mettait dans sa poche. J'ai un manager, un chargé de communication et des personnes qui travaillent sur ma page que je dois les payer. Tous ceux-là, ils sont payés. Donc je ne peux plus accepter un salaire de 1 000 euros. Je vais donner comme à mon manager, comme à mon chargé de communication. Donc c'est ce qui fait que le prix a augmenté et que peut-être certains marques n'arrivent pas à payer. Mais moi, je suis consistant dans ce que je fais. Je connais ma force de frappe. Je connais mon travail. Je sais comment il faut faire un placement de produits et comment il faut faire pour rapporter des clients. Donc voilà. Et là, tu as quelle marque qui bosse avec toi? J'ai plusieurs marques. J'ai maison de construction qui est là. J'ai des produits cosmétiques qui sont là. J'en ai plein. Moi, quand je fais mes directs là, il y a toujours trois. Tous les, il n'y a pas un direct à l'Apoutou National. Il n'y a pas au moins trois publicités ou même quatre publicités devant moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est faux. Voilà. Donc chaque jour que je fais des directs, il y a toujours des placements de produits. Toujours, je les fais. Et dans le staff d'Apoutou, on a combien de personnes environ? On a au moins 6 personnes, parce que déjà j'ai 2 avocats, j'ai un avocat plus un juriste qui travaille avec moi, j'ai mon manager, j'ai mon chargé de communication, et puis voilà aussi, j'ai aussi des conseillers vraiment proches à côté qui me disent, bon Apoutou, maintenant, concernant où tu es, voici comment tu dois sortir, voici comment tu ne dois pas sortir. Donc tous ces 6 personnes autour de moi là.
Est-ce qu'à Apoutchou, tu as eu un cas où il y a les avocats qui ont dû intervenir parce que soit tu n'as pas respecté le droit ou bien tu as eu un souci? Non, jusqu'à présent, pas encore. Il y a ce que les gens disent et il y a ce qui est la réalité. Ah, sinon, j'ai mis un avocat à côté, c'est par rapport à mes affaires. Parce que quand tu commences à devenir bon quelqu'un, il faut avoir des bonnes personnes à côté de toi. Un illettré ne peut pas marcher un illettré. Ici, un zinzin, bien quelqu'un qui est intelligent à côté. Voilà. On peut parler des femmes. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Hein. On nous a dit, Apoutchou, c'est vraiment un homme à femme. C'est un homme, il ne faut pas t'amuser à lui. Tu joues, il va frapper dans le tas. Et je me dis que quand on représente un modèle, une vision, on veut pousser les gens à évoluer dans la vie, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte déjà? Les femmes qui sont autour, et puis, si tu nous, un peu, sur le plan, je n'ai pas dit marital, mais sur le plan sentimental et relationnel, Apoutchou, dis-nous quelque chose. Déjà, si les femmes t'aiment, même c'est que Dieu t'aime. Ça fait déjà un point. Calme-toi, mon vieux. Prends ton calme. Bois un peu d'eau. Et moi, là, c'est dosé. Moi, tu as de l'eau, non? Donne-lui de l'eau. Quand il va quitter ici, là, lui, il va lire l'heure. Tu ne sais pas qui tu es invité. Quand les femmes t'aiment déjà, là, ça veut dire que Dieu t'aime. 80% des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est des femmes. Mais tant côté relationnel, je ne peux pas me donner à tout le monde, mon vieux. Voilà. Et puis, même si j'avais la capacité de ça, même, je n'ai pas rien de ça. Voilà. Donc, ça fait déjà des points pour te dire que aujourd'hui, là, la femme, c'est pas un objet où on prend et puis on échange. Aujourd'hui, il tape tant, il tape tant, il tape tant. Non. C'est pas un objet. Donc, je suis pas un homme qui va de gauche à droite avec les femmes. Si je croise une personne, elle me plaît, je suis avec elle. Jusqu'à ce que peut-être. Et qui vous plaît en ce moment? Voilà, tu es quelle personne? C'est Emma Louès qui me plaît. Oh, voilà. C'est un peu le buzz, Emma. Comment somnifère? Parce que je venais là-bas. Tu venais là-bas. Comment est-ce que ta chérie, celle qui tu es? Mais c'est Emma Louès, je suis. C'est pas Emma Louès. Mais c'est toi, tu sais. Non, il y a comme l'impression que tu es gonflé, tu es gagné, tu es assis. Non, mais calme-toi. Attends. C'est Emma Louès. C'est pas Emma Louès. Mais toi, tu. Il y a le vrai mouvement qui est là. Bon, c'est qui alors? C'est ta femme? C'est pas ma femme? Mais attends, tu parles de quoi? Il dit c'est Emma Louès, il y a un vrai mouvement qui est là. C'est Emma Louès. Il n'y a pas quelqu'un à part ça. C'est Emma Louès qui est ma chérie. C'est mon cœur, c'est mon poumon, c'est ma. C'est que c'est ma source ou même mon source de respiration. Voilà, c'est que ton souffle, ton souffle de vie. Bon, voilà, c'est ça qu'il s'agit. C'est pas elle. Mais on parle aussi de cette petite guéguerre entre vous, association de blogueurs. Qu'est-ce qu'il en est? Non, il n'y a pas petit guéguerre. Il n'y a pas petit guéguerre. Vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours des querelles. Mais voilà, il y a le comité des blogueurs qui est présidé par Evige de Milan, où moi je fais partie. Il y a, voilà, il y a toute une communauté qui ont. Voilà. Sinon, moi, il n'y a pas de guéguerre. Tout va bien, hein? Ouais, tout va bien par la crise. Même avec le général Makosso, tout va bien aujourd'hui? Mais moi, je ne suis pas. Bon, moi, je suis tranquille. Tout va bien. Comme je l'ai dit, tout va bien. Parce qu'avant votre arrivée, il était question d'une plainte. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que cette plainte a été vraiment portée contre votre personne? Ben, je ne sais pas. S'il y avait une plainte, moi, je sais qui pourrait pas aller à la justice de Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est moi qui dois montrer l'exemple aux jeunes. Vous dites que quand il y a quelque chose, va à la justice. Donc, s'il y avait une plainte comme moi, je serais rendu à la justice de Côte d'Ivoire pour aller dire, ben, je suis là. Mais jusqu'à présent, j'ai pas reçu de plainte de qui que ce soit. Donc, je me promène librement dans ce pays, comme un bon citoyen. C'est de ça. Mais c'était quelle histoire? Parce que, je vais expliquer à gauche, à droite, mon oui, mais je pense qu'il va revenir juste après la pause pour nous expliquer cette histoire avec Marcos. Allez-y, en pause, Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit que moi, j'ai fait un post après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou se réussisse, ces personnes-là, il dit bel et loup. Il dit quand j'ai dit ça, franchement, lui s'est senti concerné. Alors que dans le fond, lui ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que 1, 2, 3, j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui, tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup, après son décès, ton amour a commencé à s'exprimer. Bon, moi, je vous arrête. Non, je termine rapidement. Et pourtant, quand il vivait, il nous a dit tout ce qu'il s'est débrouillé dans la rue, comme il a pu, pour avoir son succès. Bon. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi, je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas venu... Moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Abusé, levez-vous. C'est son péché mignon. Pourquoi laisser sa père? C'était pour embellir les choses. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon. Ah bon? Oui. Ah bon? Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends les gens de 500 000 alors. En fait, j'étais. Tu vois, non? Alors, tu vois, Sony, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo Beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche
et que je te réponde. Lundi matin, on m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la matina. Je comprenais pas. Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires? Non. De son vivant, elle, on la voyait pas. Mm-hmm. Moi, il a fait 10, 11 ans avec Arafat. Menati, il l'a vu deux fois, peut-être trois fois à tout casser. Mm-hmm. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdisait que sa famille même se mêle de ses affaires. Mm-hmm. Tu comprends? C'est nous, on gérait ses affaires. Parce que c'était un business amical. Mm-hmm. Oui. Vous doutez encore de lui? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc, c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi, en fait. C'est-à-dire que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi, c'est le juge qui vous pose la question? Okay. Qui êtes-vous? Je suis Jonathan Morrison. Ça veut rien dire en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc s'il y en a d'autres qui sont nés après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Mmh. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée. Sur Trace FM, premier sur les hits. Your music, the best music, makes me feel so magic. De retour dans notre cours, hein, notre cours qui a pour accusé ce jour Apoutchou National Bakayoko. Madame la greffière va nous faire juste un résumé de ce qu'on s'est dit avant d'aller à la pause. Oui, alors en premier chef d'accusation, il était accusé d'être illettré et de ne rien apporter de positif et de se perdre dans un peu trop de projets professionnels différents. À quoi il a répondu que déjà il venait de se lancer dans la musique et que ça fonctionnait très bien et pour preuve, depuis le peu de temps qu'il est sur Abidjan, il a déjà fait 12 spectacles. Il a fait savoir qu'il ne faisait absolument pas exprès de faire des fautes, puisqu'il s'était arrêté en primaire. Ensuite, on l'a accusé de ne pas valoriser suffisamment son père adoptif et d'ajouter Bakayoko à son nom. Et on se demandait un petit peu si tout ça n'était pas une affaire d'argent. Il nous a fait savoir que quand on aimait quelqu'un, on le protégeait et que sa maman était déjà très connue, mais par contre que son père n'était pas du tout public. Donc du coup, c'est pour ça qu'il préfère ne pas l'afficher plus que ça. Mais que par contre, c'est un monsieur qui lui a absolument tout donné et que c'était un très très grand monsieur et que dans le privé, il savait très bien tout l'amour qu'il lui portait. Quant au nom Bakayoko, il nous a expliqué que Ahmed Bakayoko était un très grand homme et que c'était une manière pour lui de lui rendre hommage et que son nom puisse continuer à circuler, et que ça avait été quelqu'un qui a été un modèle pour beaucoup et que par rapport à l'argent qu'il pouvait donner de temps en temps, enfin des bonnes actions qu'il pouvait faire, que déjà il ne montrait que très peu des gestes qu'il faisait, mais qu'il en montrait quand même quelques-uns pour que ça puisse donner envie à d'autres aussi d'aider à leur tour. Ensuite, on l'a accusé d'avoir payé des gens pour venir l'accueillir à l'aéroport. Il nous a dit qu'il était l'enfant prodige du pays, qu'il revenait et que c'était totalement normal qu'on vienne l'accueillir de la sorte, qu'il était suivi par plus de 2 millions de personnes et que c'était pour leur sécurité qu'il avait mis des cars à leur disposition. Voilà, et que le message qu'il souhaitait surtout faire passer, c'était beaucoup pour ça que les gens aussi le suivaient, en tout cas c'est ce qu'il espère, c'est de dire à la jeunesse qu'il fallait se prendre en charge et surtout de croire en leurs rêves, que tout est possible. Ensuite, on lui faisait savoir que des marques, enfin apparemment de ce qu'il se disait, les marques s'étaient désolidarisées de lui. Mmh. Et ouais, moi aussi j'avais besoin d'un soupalin. <T'as commencé. rire> J'ai commencé là, des ça, ouais. Il nous a dit que pas du tout, quand il a commencé, à la base il ne savait même pas que Facebook payait, mais que par contre une fois qu'il l'a su, il n'a rien lâché, et que au fur et à mesure que sa notoriété augmente, et les prix aussi augmentent, et que toutes les marques ne peuvent pas forcément suivre. Aujourd'hui, il a une équipe de 6 personnes qui doit payer, dont des avocats, tout ça. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que les gens ont l'impression que certaines marques... Certaines marques. Voilà. Hein. Il te contamine. Ouais. Hein. Tu vois, moi et mon bon français, pourtant. Que certaines marques le fuyaient.
Voilà. Ensuite, on en était. On disait qu'il était un homme à femme. Voilà. Et il nous a dit que si les femmes t'aiment, c'est que Dieu t'aime. Mais que les femmes n'étaient pas des objets et que du coup, il n'était pas un homme très éparpillé à aller à droite, à gauche. Et que pour le moment, en tout cas, son cœur n'appartenait qu'à Emma l'Ouest. Et concernant les associations des blogueurs, il nous a fait savoir que pour lui, en tout cas, il n'y avait pas de guerre, mais que comme dans toutes les familles, il y avait des histoires. Et que si des plaintes avaient été déposées contre lui, il se rendrait à la justice sans aucun problème, mais que pour l'instant, il se balade tranquillement dans le pays sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Merci, voilà. Madame la greffière. Et puis, on va rappeler le numéro de téléphone qui est le 27-225-08-200. 27-225-08-200. On va prendre un appel. Allô? 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 Oui, allô? Oui, oui, on bonjour, a décroché. Maître. Oui, allô? Oui, bonjour, maître. Oui. Vous nous bonjour, appelez, madame. C'est monsieur, le juge. Bonjour, pour moi. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Belleville. De Belleville. Vous oui. appelez votre nom? Votre nom? C'est Nianto Estelle. Estelle. Maître Estelle, vous appelez pour oui. accuser ou défendre Apoutchou? Défendre Apoutchou. Non, ça aimerait bien quelqu'un qui est là. Bonne journée, au revoir. Merci, merci. Allô? On veut des accusateurs, s'il vous plaît. Oui, allô? Bonjour, maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? De Koumassi. De Koumassi, votre nom? Bayo Aïcha. Comment? J'espère que c'est pas Bayo accusé. Aïcha. Hein. Bayo Maître Aïcha. Aïcha, vous appelez pour accuser oui. ou défendre Apoutchou? Ah, l'accuser pourquoi? Aïcha, accrochez, faut Aïcha. Aïcha, faut raccrocher. Il faut faire un bisou. Il faut faire un bisou. Merci Aïcha. Aïcha, au revoir, hein. Bonne journée. Allô, allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, toute l'équipe va bien. Vous nous appelez de quel cours? Moi, je vous appelle Dabobo. Dabobo, votre nom? Bon, je m'appelle Ibrahim, mais Maître c'est Fly. Maître ouais. Ibrahim, vous appelez pour accuser ou défendre un coach? Je l'ai accusé quoi? Aïe. Je ne défends pas. Je ne défends pas. Je ne défends pas. Je ne défends pas. Laissez les gens s'exprimer. Monsieur le juge. Allô. Monsieur le juge. C'est ça. Non. Allô. Oui, bonjour, maître. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle la cour du Mans, le Mans France. C'est pas Mans, les 18 montagnes, le Mans France, oui, on a compris. Non, pas les 18 montagnes, c'est Mans du Froid. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Toali Hervé. Monsieur, Maître Hervé, vous appelez pour accuser ou défendre Apoutchou? J'appelle pour accuser. Ah, merci, enfin, voilà. Enfin. Allez-y, allez-y, enfin quelqu'un qui accuse, allez-y. Ouais. Apoutchou Bakayoko, bonjour. Bonjour Dodon, bonjour Maître. Voilà. J'appelle d'abord pour accuser parce que l'accusation ici porte sur un seul plan. Le plan, c'est que cet enfant n'a pas d'accusation, il sera béni toujours de ses entrailles de sa mère parce qu'il a valorisé. Il est béni beaucoup de jeux. Il est béni beaucoup de jeux. Merci que Dieu te bénisse. Merci le juge. Monsieur le juge, je vais faire passer un message. Lequel? N'ayez surtout pas peur. Appeler pour accuser le monsieur là. Mais parce pourquoi que je suis chef d'accusation? Alors, Apoutchou, maintenant le problème avec Makoso. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'occasion vous était donnée de vous réconcilier Makoso, vous le ferez? On se réconcilie quand il y a problème. Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, sur la non, toile. Non, mon vieil, ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Ce n'est plus l'entente vous des savez, deux. Vous savez, je suis devenu vieux dans ce milieu des réseaux sociaux. Il y a certaines choses que j'ai dépassées. Voilà. Je suis en guerre avec personne. Je le répète et je le réitère encore. Quand on se réconcilie avec quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas là. Oui, mais c'est quelqu'un. Non, mais s'il n'y a pas parlé, quelqu'un peut apporter plainte contre il y vous. Il n'y a pas parlé. Mais toi, tu as vu la plainte? Oui, mais elle était. Bon. Voilà. Pas vu, mais elle a, voilà. Il a dit qu'il allait donc, porter plainte. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je n'ai rien eu. Alors, et qui puis, est-ce qui que vous êtes parlé? Oui, si vous êtes parlé aussi, voilà. Est-ce que vous êtes parlé avec non, le général ça, moi, je ne suis pas venu pour parler de ça. Sincèrement dit, j'ai une carrière musicale qui est très importante, qu'on doit mettre à la lumière. Voilà. Je ne suis plus dans les guéguerres de Facebook, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, là, je suis leader de jeunesse. Beaucoup de personnes s'identifient à moi. Quand je me promène dans la rue, on ne dit pas Apoutchou grâce à temps. On dit Apoutchou national. Non, non, non. Donc, j'ai pas beaucoup le temps de personnes apprécient la non, personne Apoutchou, mais s'identifier, c'est fort. Beaucoup quand de même. Personnes s'identifient, mon comment vieux. Comment ça? T'as vu quelqu'un qui a pris le nom d'Apoutchou en ville pour dire lui s'appelle Apoutchou? Mon vieux, il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux grâce à moi. Non, c'est un fait. Non, c'est est-ce pas un fait. S'identifie à mais c'est ça appelle s'identifier. S'identifier là, tu veux pas dans quel thème? Non, s'identifier, c'est dire. Qu'on est prêt à se substituer à la personne. On est prêt à dire que vraiment je m'identifie. Mais bien sûr, bien sûr, il y a des milliers de personnes qui viennent sur Facebook qui disent Apoutchou national, je suis venu par rapport à toi parce que j'ai envie de faire comme toi. Aujourd'hui, quand je me promène dans les rues en Côte d'Ivoire, je donne de l'espoir à ceux mecs qui ne sont même pas allés à l'école, qui se disent que
Je n'ai pas de niveau scolaire. Qu'est-ce que je peux devenir? Peut-être que je serai gardien ou vigile ou quoi que ce soit. Mais je démontre à ces personnes-là pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, dans les quartiers, quand je vais ou même vers, comment Maudia, je vais. Il a commencé encore. Quand je cours pour aller vers, faut pas me faire parler. Il y a un ancien que je sais. Quand je fais quoi là même là? Quand je vais vers, quand je vais. Voilà, les gens aujourd'hui là, ils se disent qu'à Poutou National, si tu arrivais là, de là où tu as quitté, c'est que véritablement nous aussi on peut arriver là. Tu penses avoir réussi ta vie? Mon vieux, la réussite là, ça dépend d'abord de comment est-ce que tu l'aperçois. Mm. Moi, la réussite que moi je cherche dans ce monde là, c'est la réussite de Dieu. C'est la paix de mon cœur. Mm. Raison pour laquelle, jusqu'à présent là, toutes ces choses sont à côté. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Je dis qu'il y a beaucoup de blogueurs sur la toile. Mm-hmm. Est-ce que parmi ces blogueurs là, tu as des amis véritables? Mais j'ai des amis. Lesquels? J'ai des amis. J'ai ma maman Coach Amoshik, qui est aujourd'hui ma deuxième mère. Quelqu'un que je salue déjà au passage. J'ai Emma Louès avec qui je parle tout le temps, qui me donne aussi des conseils, qui me dit, Apoutchou, voici comment tu dois faire. Voilà, j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes avec lesquelles je m'entends. Voilà, j'ai aussi mes amis qui sont là, les Bess de Flora, les Sarah Messan. J'ai même dans mon comité les Leslie, les Viche de Milan, les Quincy, les Slamazon, les Nda Julie. Il y a plein de personnes aujourd'hui. Et les personnes avec qui tu t'entends pas? Il n'y a pas quelqu'un avec qui je m'entends pas. On a des divergences d'opinion, on ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. Voilà. On n'est pas en allée divergence d'opinion, mais ça ne veut pas dire que je suis en guéguerre qui que ce soit. Monsieur le procureur, hein, il est à vous. Il est à moi, ouais. Il peut venir vous saisir. Il peut venir me sommeil. Alors, vous n'avez plus de chef d'accusation, vous n'avez plus de questions pour lui? Non, non, la dernière chanson qui est sortie. Oui. C'est une chanson. Quel est le message que tu recherchais? Encore répondre à des gens, attaquer les gens, c'était quoi le but de ça? Moi, vous savez, on dit en Zouglou, là, on rencontre les histoires, les faits réels. Zouglou, c'est une musique qui conscientise. C'est pas une musique de la bêtise. Donc, la musique que j'ai faite là, c'est pour dire à des personnes qu'ils pensent que c'est médicament. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain s'est dit que quand tu réussis, ou quand tu es en train de réussir, c'est parce que tu as forcément vendu son âme au diable, tu es forcément devenu un homo, tu es devenu forcément une lesbienne, tu as fait des choses qui sont louches. C'est pour dire que c'est Dieu qui bénit. Voilà. On peut quitter des zéros pour devenir un héros. Il faut seulement se... Mais dans le domaine des influenceurs, il y a beaucoup quand même qui touchent à ces choses-là. Hein. Qui touchent à quoi? À des pratiques qui sont occultes et mystiques. Bon, ça, c'est toi qui sais. Toi, tu as une philosophie très développée. Moi, mon côté ne me permet pas d'aller là où tu es là. Donc, moi, je ne connais pas tout ça là. Toi, ton côté intelligent, peut-être envoyé. Tu n'as jamais entendu parler non plus. Moi, je ne suis pas. Moi, il n'y a que Dieu. Oh. Quelqu'un qui est né 24 décembre 90, 25 décembre après, pour me faire l'enfant Jésus. C'est de quelle confession religieuse, Apoutchou? Je suis catholique. Pratiquant? Bon, pas pratiquant pour l'instant, mais bon, moi-même, pour moi-même déjà, même là, Dieu n'a pas de religion, Dieu il est amour. Donc pour moi-même déjà, les histoires de religion, c'est pas trop mon style. Dieu nous apprend juste de nous aimer les uns les autres. C'est le plus grand commandement de Dieu. Parce que celui qui aime son prochain aime Dieu. Merci Apoutchou, monsieur voilà. Le procureur. Oui, ça va, ça va. Vous a laissé... Votre réquisitoire. Réquisitoire, alors. J'ai voyagé, elle est âme. Invitez-moi encore la semaine prochaine. Ça va. Votre réquisitoire. Réquisitoire, monsieur le procureur. Le réquisitoire. Oui, de vous demander quoi contre notre accusé? Que je le fasse enfermer, qu'il soit libéré. Non, mais il n'est pas venu seul non pour l'enfermer, ça sera compliqué. Il y a la sécurité qui... C'est la première fois de mon émission, personne n'a appelé pour m'accuser. Non, il n'y a pas eu seule accusation. Oui, franchement, il y a pour la première fois de l'histoire des traces. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit que je viens... Pour accuser Abou Mais National. Après aussi, il faut reconnaître que sa ligne éditoriale, c'est pas le genre de personne qui va s'attaquer à l'autre de façon frontale. Donc, en termes de matière d'accusation, il y a des choses assez évasives sur lesquelles on peut partir. Mais quand tu écoutes beaucoup de personnes, parce qu'il y a l'ancien sondage, on dit, ah, il est intéressant, ah, le jeune, il est chic, hein, il est joli à voir, il parle bien. Bon, c'est son affaire de français là qui nous fatigue, c'est ça qui revient à chaque fois. Après, c'est ce qui fait son charme aussi, je sais pas. Est-ce qu'il est charmant? Non, je n'ai pas parlé de physique, je parle de charme. Je ne sais pas, après j'ai dit. Tu as vu? Même pas. Tu dis charmant? La greffière n'est pas très rassurée. Alors, monsieur le procureur, réquisitoire. Non, mais il est venu, je sais que c'est pour un moment, il est ici. On va le laisser, mais sous peine d'amende, une amende. Non, en fait, moi, j'allais dire, j'ai l'impression que le procureur est corrompu. Je sais pas ce qui s'est passé pendant la pub, mais d'un seul coup, le procureur n'a rien à dire. J'ai l'impression qu'il a été corrompu. Qu'est-ce que vous avez fait à notre procureur? Pendant la pub. Non, mais
Le procureur même est tombé sur les chambres d'Abouchouna. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le procureur, il n'y a rien. Non, le procureur est tombé sur les chambres. Ça va. Madame la greffière. Eh ben, écoutez, moi, je dirais que, contrairement, alors, il a peut-être pas été très loin à l'école, mais on sent que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Justement, je pense qu'il a une force à se remettre énormément en question. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, comme tout le monde le sait. Mais du peu que j'ai vu, on sent une maturité qui est là. Et moi, je lui souhaite que le meilleur. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à quand un feat avec moi, je me mets à la chanson aussi. Je me place en même temps. Alors, qu'est-ce que le juge peut bien dire après le réquisitoire de monsieur le procureur, la greffière qui a donné son avis? Moi, c'est Didier Apoutchou qui a décidé de changer, de devenir une nouvelle personne, de rester cette nouvelle personne-là, de laisser tomber les clashs, qui a parlé d'amour. Il dit, il n'y a pas de guéguerre entre toi et les autres. Non. Voilà, de toujours magnifier cet amour-là pour les autres blogueurs et tout. Et puis, non, mais ensemble, on doit servir. Je me dis, ensemble, vous serez plus fort. Au fait, et puis, sois le modèle que tu as décidé pardon, d'être pour les jeunes. Bien sûr. Il faut qu'on retrouve un nouveau Apoutchou sur la toile. C'est-à-dire moins des clashs qui ne rebondissent pas sur tout et n'importe quoi. Mais l'agent l'a partagé au machin. Un meilleur français, moi je lui donne des cours, Steve. Non, bon, après c'est lui qui voit. Tu sais, est-ce que c'est prévu que tu fasses des cours d'alphabétisation et tout? Mon vieux, forcément ça va venir. Parce que quand tu aspires à vraiment monter très loin, tu es obligé de forcément activer ton côté intelligent. Et puis nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon vent dans ta carrière. Merci beaucoup, mon gars. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, là, tu es à Abidjan, tout ça. Mais comme je l'ai dit, je suis à Abidjan et je l'ai toujours dit à travers mes directs. J'aimerais que l'État de Côte d'Ivoire puisse dire qu'aujourd'hui, le métier d'influenceur est un nouveau métier. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis venu me battre et pour me mettre au service de la Côte d'Ivoire. Me mettre au service de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas me mettre au service d'un parti politique, mais c'est être à la disposition de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une facilité à approcher les gens. Mm-hmm. J'ai une facilité à aller à la rencontre des gens. Et aujourd'hui, cette notoriété que j'ai, je dois la mettre à la disposition de mon pays pour que mon pays puisse profiter. C'est de pouvoir parler des faits réels que vivent nos populations. C'est pourquoi quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé directement au marché pour dire à nos mamans qui sont au marché, l'augmentation des prix n'est pas forcément qu'une histoire de politique ou pour dire que non, peut-être c'est le gouvernement qui augmente les prix. C'est au niveau mondial. Mets ça déjà dans les têtes, fais des petits gestes. Je suis allé voir aussi les ferronniers aussi, les ferrailleurs qui étaient vraiment en guerre. C'est juste, il y en a vu à Bobo et tout ça, pour leur dire que on n'a pas besoin forcément de revendiquer des choses en cassant des bus, en brûlant des voitures. Mais il y a une autre manière. Aujourd'hui, c'est ce combat-là que je vais mener auprès de la population et j'aimerais vraiment être soutenu. Soutenir n'est pas financier, mais soutenir sur le plan moral, de m'accompagner pour dire, jeune frère, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux apporter à cette jeunesse qui est aujourd'hui en train de te prendre comme un grand frère, comme un petit frère ou bien, ça dépend de comment est-ce que les gens perçoivent les choses. Merci Apoutchou, merci pour ces mots, merci. Et puis on va l'applaudir. Non, mais... Voilà. Ce n'est pas souvent qu'on applaudit comme ça une accusée. Ouais. Moi j'aurais juste un tout petit point très rapide, parce que je sais qu'il avait commencé à le faire, de vraiment mettre en avant la réalité de ce qui se passe en France, de comment on vit en France. Exactement, en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que justement, moi, j'avais bien aimé ce discours-là où il disait ne prenez pas la mer n'importe comment en espérant trouver un Eldorado qui n'existe absolument pas. Mais et aujourd'hui, il y a tout dans notre pays. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que tout est mis en œuvre pour que cette jeunesse-là puisse être épanouie ou que cette jeunesse-là puisse vraiment. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre bateau pour aller en Europe. On n'a plus besoin de ça. Ces jeunes aujourd'hui doivent se dire qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire. Les 3000 euros, les 5000 euros qu'ils prennent, ils prennent le risque d'aller mourir en mer. Ils peuvent l'investir ici dans ce pays, trouver un business, même vendre poulet, poulailler. Alors j'ai rebondi pour demander à Apoutchou, à quand le retour définitif en Côte d'Ivoire? Ben, le retour, forcément, je suis appelé à venir dans mon pays. Mais comme je l'ai dit, je suis venu pour un combat. Mm-hmm. Et si je suis soutenu dans ce que je fais, c'est normal que je puisse venir m'installer pour mettre ce combat au service de la Côte d'Ivoire et de nos populations. Merci Apoutchou, merci Madame la greffière, merci Monsieur le procureur Juste Gondo. Et puis merci à tous ceux qui ont pris le plaisir à nous écouter ce matin pour ce procès-là. On se retrouve samedi prochain pour un autre procès, autre accusé. Et puis d'ici là, portez-vous bien, aimez ceux qui vous aiment. Et puis même ceux qui ne vous aiment pas, partagez l'amour autour de vous. On a besoin d'amour parce que la mort là, elle ne tient qu'un fil. À samedi prochain.
Abusé, levez-vous. Son péché mignon. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon. Ah bon? Oui. Ah bon? Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends les gens de 500 000 alors. J'étais. Tu vois, non? Alors, tu vois, Sony, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo Beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes...